être dans le ministère de l'agriculture pour capable garder qui réaction il hein, y a pas gagné puisque États-Unis qui plus loin nous là donc yo même yo déjà interdit tout produit qui fait avec viande cochon rentrer sur territoire la caillou mais pas bon ici autorité yo pourquoi dit ça qu'a fait pourquoi réagir yo en concertation selon information nous gagné mais pour parler de maladie en Pierre Renel nous pral recevoir docteur Michel Chancy qui lui-même c'est ancien secrétaire d'état production animale donc qui connaît secteur là qui a parlé nous de maladie hein il pas prêt parler nous comme autorité dans le ministère de l'agriculture mais comme un monde qui connaît secteur là et qui connaît maladie ça docteur Michel Chancy bonjour et merci pour l'invitation moi saluer tout auditeur radio oui donc là on a parlé de peste porcine, de fièvre cochon, qui ça lie exactement? Bon, nous connaissons plusieurs maladies. Là, on a parlé de peste porcine africaine. C'est un autre microbe qui était déjà sous Iléa dans l'année 78, qui est rentré Saint-Domingue et qui après ça a envahi Haïti. C'est maladie ça qui a provoqué décision pour y tuer tout cochon qui ni sous Haïti ni République Dominicaine. C'était gouvernement américain, canadien avec mexicain qui était prend décision et financer abattage cochon yo parce que yo même yo était voulu protéger cochon la caillou. Ça crivé, c'est que moi dis qu'il y a plusieurs maladies. Il y a peste porcine classique qui déjà dans le pays a avec Saint-Domingue. Gen maladie rien cassé tout mais deux maladies ça yo gen vaccin pour capable protéger pour pas prendre cochon yo mais peste porcine africaine li même li pas gen vaccin et côté le passé li pas gen vaccin li pas gen remède et li beaucoup plus grave li touye beaucoup plus cochon son maladie qui existait dans pays Afrique dans pays Asie avec en Europe tout et dans pays côté maladie naturelle c'est une maladie qui est contrôlée avec des mesures d'hygiène. C'est pas un microbe qui attaque moun ni aucun autre bête que cochon avec bête qui dans même famille avec cochon tant que sanglier qui fait il pas représenter aucun danger dans santé publique parce que il pas affecté moun même genre peste porcine pas affecté moun non plus peste porcine classique mais il c'est un gros danger économique parce que il touye en pile cochon et il pas gain aucune façon pour capable protéger yo ni pas gain vaccin ni pas gain médicament. Et face à danger maladie ça représenté pour nous puisque il déjà la caille voisin en attendant que nous gagnions communication officielle de ministère santé public ou de ministère agriculture surtout qui comportement nous t'a dû gagner. Bon, et certainement, ministère de l'Agriculture pral annoncer Jotia, parce que nous-mêmes, dans l'université Kiskeya, nous en contact avec l'autorité. Nous connaissons, pral, et yo déjà pris des dispositions, selon ça, nous connaît, pour éviter pour que aucun produit qui fait à cochon, ni aucun cochon vivant, pas passer sous frontière. Mais nous connaissons, la situation pays noir est liée. Jean nous gagne difficulté pour nous faire respecter une série de bagages et c'est ça qui est passé tout dans l'année 78 côté yo t'ai même pris décision tuer tout cochon qui bord frontière ni sous bord Saint-Domingue ni sous Haïti pour éviter que microbe là pas joindre cochon pour capable continuer gailler et malgré tout malgré abattage là qui était fait maladie a été rentrée à Haïti elle était envahie pays là. Donc, nous avons une situation très difficile parce que ça que tu es passé en 78, il est capable de passer encore. Ça veut dire que il est capable d'affecter et déjà cochon nous avons mouru et dernièrement, il y a plusieurs cochons qui mouru probablement maladie peste porcine classique ou bien maladie de chien. Pas grand rien qui dit que le poco arrive à Haïti parce que aucun microbe pas besoin ni passeport ni visa pour y rentrer. Donc, il n'est pas impossible de le déjà Haïti. Et ça veut dire tout que décision qui pourrait le prendre pour contrôler, ce n'est pas des décisions faciles parce que, j'aimerais dire là, pas gagner ni vaccin ni remède contre la maladie. Donc,
nous gagnons un gros problème. Et c'est un gros danger qui pendait sous activité élevage cochon dans le pays. Et bien, un pile monde qui a perdu un pile cochon. Et nous pensons qu'il faut nous coller avec l'autorité dans toutes règles, tout règlement et toutes mesures qui pourraient le prendre pour éviter que le gagne plus. Mmh. Et si il n'est pas représenté un danger pour le monde, pour qui ça, touiller tout cochon? C'est pour qui ça interdit viande arriver sur territoire pays yo tant qu'on ça dit aux États-Unis ou bien tout l'autre produit qui fait avec viande cochon pour qui ça? C'est parce que microbe là li capable transmettre de yon cochon à un autre à partir de reste cochon. D'ailleurs en 78 yo pensaient que maladie était arrivée Saint-Domingue et c'est peut-être même ça qui arrive encore à cause de produit ça yo. Et en 78, je pensais que maladie a été rentrée avec un avion, côté te gagné probablement jambon, bien resté un cochon, puis te baillé dans l'avion, yo jeté fatra ça au aéroport, et de là, gagné cochon cal dans fatra, yo prend reste viande ça, et puis yo même, yo tout prend maladie. Donc, éviter viande cochon, ou bien cochon vivant traversé, c'est pour protéger élevage cochon. Mm-hmm. Ça veut dire pour cochon pas prendre maladie. Et c'est plus que ça, si nous qu'à songer, t'es comme époque, le roi Saint-Domingue, il était comme flitter machinou. Il s'était comme trouver ça très drôle, mais en fait, c'est pour empêcher que, par exemple, si on machine, on caoutchouc machine roule sous on water cochon, eh bien, water cochon, il a le droit de gagner germe maladie. Et puis, machine non roule, et c'est comme ça que l'Ibral poté germe non sauter sinon côté river non l'autre côté et même monde capable porter en bas soulier yo si yo pile on atte cochon qui t'ai gagné et maladie a et ben ou même on vétérinaire capable porter maladie par l'autre cochon. Donc c'est peut-être ça que toute mesure ça yo prend pour éviter que élevage l'autre élevage vienne attaquer aux États-Unis au Canada. Élevage cochon c'est une plus grosse activité d'adie économique qui gagne, c'est en pile milliards de dollars qui investissent dans les entreprises. Donc, nous, c'est protéger richesse, yo, parce que si maladie rentre aux États-Unis, yo même, yo pas fait ni deux ni trois, yo pral commencer à touiller cochon côté maladie aïe, et ça, c'est un pile d'argent et le gouvernement a pris pour lui compenser, pour lui payer moun zayo tout cochon, pour lui aider pour, et dans le moment, nous, côté nous, côté crise économique, tout côté, c'est le dernier bagage que nous avons besoin actuellement de gagner en pile et cas dans le pays Europe avec l'Asie. Mais c'est une maladie naturelle qui cyclique, qui existe à l'état naturel, mais élevage cochon encouragé et style de maladie ça y est. Le OT abat cochon yo dans année 1978 yo en raison de même maladie ça nous te ouais ça t'a affaibli économie. Est-ce que l'économie paysan yo surtout est-ce que je dis à c'est même menace là nous voulons demander qui ça cochon yo représenté je dis à dans l'économie paysan yo cochon représenté en pile dans l'économie paysan mais il pas représenté ça il était représenté avant 78. Longtemps, dans l'année 70, cochon, c'était premier bien de consommation pays d'Haïti. Et à cause, justement, de maladie ça, eh bien, yo te vin détruit tout cochon, yo. Repeuplement, li fait, mais li va jamais fait un niveau côté le teye. Et race cochon qui te vin peuplé après ça, yo pas aussi facile pour lever, yo, même genre avec cochon créole. Ce qui fait que cochon, depuis première fois maladie a été passé, il perd du place li dans l'économie. Mais l'irrité est une activité quand même importante parce que le repeuplement l'y fait quand même tant bien que mal. Ce qui fait que je dis, n'importe paysan ou commandé sa cochon représenté là tout son bagage qui est très important, cochon très prolifique, mais pas autant de monde qui gagne cochon que avant première épidémie peste porcine africaine dans l'année 78. Ce qui fait que l'irrité est important et qu'on y a là qui décision qui prend. Là, ça a plusieurs choix. Il y a des pays, tant que pays côté maladie, là, de façon naturelle, côté si, cochon sauvage avec sanglier qui a une maladie, ça, il n'y a pas qu'à tuer toute bête, ça, yo. Donc, ils vivent avec maladie, c'est-à-dire que les gens qui font élevage cochon dans la zone, ça, yo,
tout cochon fermé dans pocherie, yo pas quitter cochon lagué, gaillé derrière la cour marcher de n'importe côté et yo prend précaution sur va faire élevage cochon ou obligé et surveiller pour n'importe monde pas rentrer sortir dans élevage parce que capoter maladie parce que dans pays ça yo maladie li naturel et c'est là que lié. Donc même dans pays côté maladie li existe à l'état naturel, yo continuer faire élevage cochon mais avec un pile précaution. Donc non pays comme pays d'Haïti, c'est deux décisions soit que yo vraiment recommencer tuer tout cochon yo, mais c'est pas une garantie que maladie a pas tourner. A pas nous te fait ça dans année 78-80 yo et puis mais 40 ans après maladie a retourné. N'importe l'heure où fait ça, maladie a toujours tourné. Donc l'autre solution c'est vivre avec maladie, mais ça veut dire tout faut ou faire élevage là en l'autre gens ou pas qu'à quitter cochon à driver à droite à gauche parce que ou pral perdre l'argent ou pral mourir de temps en temps. D'ailleurs cochon a mouri malgré que nous avons vaccin contre maladie porcine classique avec maladie de chaîne, nous pas fait vaccination de façon régulière, ce qui fait que cochon n'importe monde qui fait élevage cochon on pral dou que de temps en temps cochon a mouri et à cause de maladie ça qui pas représenter danger pour santé monde mais qui représenter danger pour économie. Donc c'est une question de gestion, c'est des choix qui pral gain pour faire et c'est différent monde qui concernait éleveur yo en premier avec autorité yo avec l'autre scientifique haïtien qui a décidé qui ça qui a fait et nous pral ouais tout que n'a gain pour nous collaborer avec ce domaine tout parce que maladie lui-même il pas contre frontière. Et c'est seulement cochon qui en fait qui concerné, c'est pas gain l'autre bête encore seulement qui... cochon nous-mêmes cochon avec l'autre bête qui même famille avec cochon donc bien que classe cochon sauvage avec sanglier mais bête ça nous-mêmes pas gagné en Haïti nous-mêmes c'est seulement cochon que nous gagnons nous pas gagné sanglier et c'est seul donc bête ça qui affecté il parle ni sous poule ni sous cabri c'est lui-même seul que l'affecté. Avant maladie ça qui attaquer cochon yo, on te gagne information plusieurs côtés à travers pays a te gagne bête cap mouri cochon même et bœuf et ça lui même qui salteyé c'était mon situation pareil. Est-ce que gagne d'après information qu'on gagne d'intervention qui fait pour calmer problème ça lui même qui était déjà manifesté dans plusieurs autres régions pays a bête cap mouri. Bête à mourir, pour moi même c'est plus par négligence soit éleveur ou bien négligence même autorité ou négligence d'adi et professionnel yo, parce que l'autre maladie n'a pas les temps comme maladie charbon, maladie peste porcine classique, maladie de chaîne, yo tout yo gen vaccin pour yo, mais vaccination ou bien maladie poule tout yo gen vaccin, mais vaccination mandé organisation, il mandé pour que ou fait bagay yo bien, ça mandé pour que ou mobiliser des agents vétérinaires, ça mandé pour que côté pour conserver vaccin, toute maladie ça que nous gagne dans pays nous ca traiter yo si nous organiser tête nous correctement. Mais pour peste porcine africaine maladie ça lui même pas gagne vaccin pour lui, seul ça qui ca fait c'est contrôle pour empêcher un bête sortir dans zone aller dans l'autre zone et flitter machine, c'est bagaille ça yo qui capable contrôler. Mais pour l'autre maladie nous t'a parlé yo, c'est plus négligence nous même haïtien système sanitaire nous avec élevage nous côté nous fait négligence. On dit tout à l'heure déjà dans intervention là pas gagné traitement, pas gagné vaccin, mais symptômes yo et comment diagnostiquer, comment citoyen yo éleveur yo qui gagne cochon yo là capable connaît que c'est peut-être maladie ça cochon yo fait et comment on peut identifier ça. Bon, pour ne pas rentrer dans trop de détails, on nous dit simplement qu'on a la fièvre, la mort subite, en pile cochon pour mourir. Si maladie apparaît dans une zone, c'est ça nous prenons. Nous ne pouvons même pas temps réagir, nous prenons. Cochon, gros la fièvre et puis le mourir. Ou ni gros cochon, ni petit cochon, toute qualité cochon qui est en santé, cochon qui est bien gratte, cochon qui est bien chambre, et bien nous prenons pour mourir par paquet et par macon. Donc ça veut dire c'est mort subite et en grand épidémie. C'est d'ailleurs le premier signe qui est capable d'alerter. Donc depuis cochon commence à mourir, nous capable d'alerter et autorité yo puis prendre mesure pour nous pas et c'est pas gagner maladie. Donc c'est d'ailleurs principal
ça que nous capable c'est ça qui rive c'est nous mêmes. Est-ce que une kadi menace est-ce que une kadi menace dans les plus pour éleveurs qui dans zone frontière pour coulia? Évidemment que son maladie qui va marcher si, donc c'est zone frontière c'est lui même qui capital pour que lui pas rentrer à Haïti s'il pas déjà rentré. Et après ça, bon, depuis au monde transporté, Rio le transporté vient sortir dans zone en l'autre, il qu'a transporté maladie. Et c'est pas seulement et transporté vient là, donc même Ouattara qui en bas sous lui capable transporter maladie. Donc ça veut dire éviter à visiter un vétérinaire yore l'eau pour aller voir cochon qui malade. Faut qu'on ait qu'après ça, faut désinfecter toute sorte de gain, yo. Faut laver sous l'eau parce que, ou même encore, comme vétérinaire, ou capable de porter maladie dans l'autre zone. Mm-hmm. Ou même, il veut regarder un cochon qui est malade en côté, c'est pas proche. Si vous cochez, ou même encore, ou capable de porter maladie. Donc, c'est problème, ça, c'est pas un mari qui est facile du tout. Surtout, j'en pays nous organisé, j'en élevage organisé. Et ça fait que, normalement, faut que yo contrôler bétio et nous encourager pour nous fermer bétio au côté là on a parlé de cochon parce que et c'est des bêtes qui yo mâché et maladie ça c'est comme ça lui transmettre. Et qui ça représentait comme danger pour aux citoyens au monde qui t'a consommé viande cochon ça qui mouri avec maladie fièvre ça ou bien peste possible. Bon, normalement, toute bête que on va consommer, c'est au même qui peut tuer bête là. On bête mourir ou pas qu'on exactement ça qui et tuer bête là. Et ça fait que bête c'est où tu en bête et pour manger viande là. On bête qui mourir en maladie ou pas qu'à connait donc normalement on va supposer consommer. Donc il pas recommandé pour le monde manger viande en cochon qui mourit. Si c'est pas où tuer en bête il pas recommandé pour manger aucune viande de aucune bête même un poule qui mourit que c'est pas actuel il pas recommandé pour manger ça sont règles de hygiène qui a dit maintenant dans cas ça virus ça microbe ça il pas représenté aucun danger pour monde c'est pas tant comme maladie charbon par exemple maladie charbon qui frappe bœuf si c'est lui qui tue bœuf là et va le manger vient ça depuis dans main vient ça on va prendre charbon sous peau dans main et parce que c'est un microbe qui va l'attaquer directement maladie charbon on bête mourir avec on bœuf mourir avec maladie charbon et bien ou capable prendre dans main vient là maintenant cas peste porcine africaine non pas aucun danger pour monde parce que il pas transmissible à l'homme il pas transmissible à aucun autre bête non plus c'est seul cochon que l'y affecté. Donc, dans ce sens-là, microbe, ça n'a pas représenté aucun danger pour moi. Voilà. Merci un peu, Dr. Michel Chancy. C'est moi, commercio, et puis, moi, disponible pour n'importe quelle information. Voilà, Dr. Michel Chancy, ancien secrétaire d'État production animale, qui était en direct avec nous pour parler de maladie et ça. Et n'a gagné pour nous venir, probablement avec décision l'État haïtien, puisque jusqu'à présent, ça pourquoi fait, hein, l'État haïtien, pourquoi dit qui décision prend hein, par rapport avec maladie ça qui trouvait lié en République dominicaine, qui déjà attaqué cochon. Et États-Unis déjà lui-même interdit tout produit qui fait avec viande cochon rentrer sous territoire mais nous-mêmes qui puis près là l'État pourquoi réagit. Oui donc en maladie qui représentait une véritable menace pour cochon yo en Haïti en pile le monde a rappelé yo situation ça qui est arrivé en 1978 ça qui était la cause cochon créole nous yo était détruit. L'autre point d'actualité à matin, c'est la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif qui ordonnait à l'ancienne directrice générale SMCA, Esla Magali, habitant à tout l'autre ordonnateur dans l'institution. Ça a sauté avril 2017, rêvé septembre, même année, pour remettre l'État haïtien. Une valeur 38 millions de goudes qui partent dépensés suivant
dans normes comptabilité publique yo la cour des comptes yo l'autre côté sorti tout yon arrêt débat contre majorie Alexandre Brunache ancien responsable consulat Haïtia dans Boston aux États-Unis pour gestion li sorti décembre 2012 rivé février 2015 et puis sorti mois mai 2016 rivé juin 2017 li condamné selon Debessa pour remettre l'État haïtien $15,940 américains et puis toujours Kimbé et bien Lio a pas toujours été hypothéqué quant à ancien magistrat Renaud Dano bénéficié d'un certificat décharge mais nommé la cour pour gestion pendant il était occupé fonction ça sorti les mêmes périodes de janvier 2016 rivé mois juin 2017 la cour a tout guerrier ordonné pour lever hypothèque qui était gagné sous bien Lio. Oui et nous apprenons tout gagné citoyen ça qui c'est Ken Duval ancien directeur administratif Radio Nationale d'Haïti sorti période 26 avril 2004 rivé 22 juillet 2004 la cour l'y décidé accorder l'y décharge donc citoyen ça les mêmes selon la courante et bien gérer l'agent l'État par rapport à un dossier ça qui est pour avec directrice générale MCRS là madame Magali Habitant gagné plusieurs autres employés encore qui visés hein, par décision la cour des comptes là est un coup Ralph René directeur administratif Rosemont Jolicoeur comptable en chef Jocelyn Borgela coordonnateur projet avec comptable public madame Guy Lafleur eh ben yo tout yo concerné par décision ça donc pour yo restituer à trésor public une quantité l'argent qui selon la cour est mal dépensé. Faut que nous dit la cour qui a attendé jeudi là a fait qui opposait citoyen Montes Plaisimé à la Banque Populaire Haïtienne oui c'est jeudi dans salle d'audience 1 dans la cour cassation alors dans la cour des comptes et gagné tout l'autre affaire qui a pas gagné pour tendre gagné affaire Jude Luc Eude hein qui opposé à Mairie Carrefour gagné Jean Aléus et France Patrice avec madame Frayrus Félix qui ont même gagné pour avec Ona donc il y a un conflit gagné Emmanuel Raymond qui a fait ça a gagné pour il y a pour avec électricité d'Haïti gagné Vanel Lacroix qui lui-même c'est parti demanderesse là face à parti défendresse là la parler là de la police nationale d'Haïti ministère la justice et sécurité publique l'État haïtien gagné Willow Joseph et au nom de lui face à ministère économie et finance gagné David Son Sius police na face à police nationale d'Haïti ministère la justice et l'État haïtien gagné James Laurent face à ministère affaires sociales avec l'État haïtien et Ritolet ou bien Ritodel Cadet face à l'Université l'État d'Haïti et madame Marie-Thérèse Nadia Jean-Baptiste face à ministère agriculture et l'État haïtien donc tout ça c'est pour jeudi donc c'est liste affaires administratives donc arrêt a bien pour prononcer jeudi qui c'est 30 juillet 2021 en pile activité dans la cour des comptes entre-temps comment enquête là après poursuivre sous la mort président Jovenel Moïse j'en ai annoncé l'antitio guerrier environ yon dizaine policiers qui étaient fait partie unité spécialisée est en cours captime avec USP placé depuis hier soir jeudi à dans isolement c'est sous l'ordre de direction centrale police et judiciaire des CPJ d'après yon source bon côté institution policier sa yo t'est présent dans travail yo dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet à dans moment assassinat président Jovenel Moïse non il faut que nous dit déjà gagné plusieurs autres policiers
policier qui est en isolement dans le cadre de dossier ça. Tant qu'au Dimitri Erard, Léandre Pierre Haussmann, commissaire divisionnaire Jean Laguel civil. Faut que nous dit commissaire gouvernement à Port-au-Prince-là a déjà mandé directeur immigration pour interdire environ une vingtaine policiers qui étaient payants, policiers Sayo qui étaient en mission pour protéger ancien président Jovenel Moïse. Entre-temps, ancien député première circonscription Saint-Marc là dans 50e législature, il dénonçait ingérence communauté internationale là dans affaires politiques internes pays d'Haïti. L'œil constaté façon yo appuyé choix Ariel Henry comme premier ministre après assassinat et président Jovenel Moïse là, ancien député Samuel d'Haïti plaidé en faveur application article 133 constitution 1987 amendée qui fait exigence yon exécutif qui gagne yon président yon premier ministre. Toutefois ancien député a espéré classe politique là ressaisir face à toute chirépite qui existait la mitayo. Reportage depuis Saint-Marc, correspondant nous Nixon Denis. Ancien député première circonscription Saint-Maclan, agronome Samuel d'Haïti, prône application article 133 constitution 1987 là, qui parlait yon exécutif à deux têtes, c'est-à-dire yon président de la République ak yon chef de gouvernement. Ex-parlementaire, 50e législature a fait connaître, après assassinat président Jovenel Moïse, c'est seulement 10 élus qui rete dans le Sénat République là, qui capable permettre pays à retourner dans la normalité, puisque yon se co-dépositaire souveraineté national là. Le pouvoir exécutif en Haïti, c'est un pouvoir qui est sale. Deux têtes. Le président, qui est le chef de l'État, le premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Pour dire, président, il est prérogatif, et premier ministre, il est prérogatif. Il n'y a pas de sur l'autre. Et le statut est là, article 54, il n'y a pas appliqué parce qu'on va la donner là. Donc, en quelque sorte, on gagne un président provisoire. On va aller plus loin. Qui est le monde qui a une légitimité actuellement, qui est capable de remplacer M. Jovenel, qui aurait été mémoire, qui déjà tout le monde qui était capable, il y a 10 élus. On n'a pas de tête pour l'autre côté. Il y a 10 élus qui ont légitimité et 10 élus, ça y est, c'est co-dépositaire de la souveraineté. Selon ancien représentant première circonscription Saint-Maclan, dans la chambre basse, choix Ariel Henry comme premier ministre PIA qui fait sous dictée communauté internationale là, montrer à clair Haïti en bas tutelle, blanc américain, lui souhaiter classe politique là, ressaisir pour suspendre, défendre propre intérêt personnel yo. Donc on tutelle, nous capables de douce qui proposent parce que c'est des sous-journal. C'est ça les États-Unis du journal fait que nous faisons. Donc nous sommes tutelle là longtemps. C'est ça qui est payant tant que nous réfléchissons plus. Parce que le plus gros problème de l'élection, c'est que la classe politique, surtout, et classe politique de l'opposition, ne pas structurer. Quand on a notre vie, président pour Jovenel Moïse, c'est que le VP, quand on a un noté de grâce à moi, non, pour que, et bien après Jovenel Moïse, ça nous prévoit. Donc pour tout le chirépit, chaque fois après les balles, parce que le jour que Jovenel allait, il mourit. Immédiatement, opposition de Chita. Bon, moi, ça qui est, bon, on fait partie de l'opposition qui proposait sénateur Lambert. Pour moi, qui choisit avec la CETA, le proposé Lambert. Il avait là, bon, ça puis, entre on part au groupe de l'opposition, plus le pouvoir, qui est quoi de la telle, l'île de Balthazar, il dit que c'est Lambert qui doit résider. Mais là, l'autre des jeunes en soumis. C'est pas bien, je gouverne, non? Ancien parlementaire qui n'a pas caché déception face à ingérence communauté internationale là, dans affaires politiques internes pays d'Haïti dit espérer dirigeants politiques rentrer dans conscience établir un plan durable qui bénéfique pour population haïtienne. Nixon Denis depuis Saint-Marc pour Radio Caraïbe FM. L'actualité politique là, toujours parti politique avec membres dans société civile là qui a discuté en tuyau pour y rejoindre yon large consensus sous gouvernance l'État pendant période de transition. Déjà, Antonio son pile point dans le cadre de consensus ça. Il a notamment cité dirigeant parti politique Haïti en action. Ancien sénateur Yuri La Tortue qui fait qu'on ait un pile espoir pour acteur yo t'a débouché sous salé l'âge entente là. Ancien sénateur Latibonite là rappelé tout acteur yo gagné d'après lui bonne foi pour sauver Haïti qui n'a yon impasse compliqué. En côté Yuri La Tortue dirigeant parti politique Haïti en action l'était dans micro Enchel Adrien pendant arriver vraiment bagarre ensemble
que ce soit les forces politiques ou bien les forces de la société civile, nous réunir, nous garder plusieurs propositions qui étaient faites déjà, parmi lesquelles le protocole d'entente qui était déjà lui-même proposé au premier ministre et à un président provisoire, et d'autres qui peuvent proposer. C'est ça que nous avons gardé pour nous voir comment pour aboutir à une solution acceptable par toutes les parties. Dans ce sens-là, il y a plusieurs fois que nous réunis. Nous réunis également toi avec les civils là, partie que les signataires, chaque partie signataire. Et moi, je crois que nous avons une chance à gagner, parce que ça nous dit, c'est Haïti qui nous le vend. C'est pas par le fait qu'on est doit participer dans nos gouvernements, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais qu'est-ce qu'on va trouver pour Haïti? Pour que étape ça, côté que nous voyons lancer une autre orientation à pays ça, côté étape ça, côté que faut prisonniers politiques au lagué, faut que procès au lancé, faut que bon lancer EP, faut que bon audit de cardio. Donc tout ceci pour nous amener à un processus d'élection inclusive. Donc nous pensons que faut que nous arrivions à entendre nous sur ça pour Haïti. Secteur de bonne foi, faut ou maintenant bientôt nous avec l'opposition qui est plurielle. Les secteurs de la gauche comme de la droite, en société civile qui a une sensibilité partout, étape difficile pour que nous arrivions et puis immédiatement que nous entendions, même si nous avons même idéologie, même façon de notre pays, nous avons une étape difficile. Donc, dans ce sens-là, moi, je crois que tout fait preuve de bonne volonté. La seule chose que nous dit, nous n'avons pas fait la révolution. Donc, il faut un consensus. Et nous, déjà, joignons des points d'accord. Il faut un exécutif bicéphale, comme l'indique la Constitution, un exécutif capgué, un président, au premier ministre, et me pensais que ça a mené en pile discussion pour que nous t'entendions, puisque les gens ont une tendance à parler de monocéphale. La deuxième chose, c'est que moi, je crois que aujourd'hui, la solution doit être consensuelle. Ça veut dire que pas quelqu'un qui a imposé une solution. Et solution, ça faut tenir compte de tous les acteurs. Maintenant, c'est le mécanisme de choix, comme on a fait. Est-ce que c'est pas un grand consensus? Est-ce que c'est pas des mécanismes à la base? Maintenant, moi, je crois que c'est ça, il y a regardé. Mais pendant ce temps, pas oublier, t'es gain pour protocole d'entente qui lui-même dégâtant fait choix et que je vous dis à l'Ichita pour le gars avec l'autre mouillot, mais lui-même, il a gagné une solution que vous proposez, tandis que il y a d'autres qui ont capté des mécanismes. Moi, je pense qu'il y a une bonne volonté qu'à être pour que nous arrivions à une solution consensuelle, parce que ça qu'il a, c'est la continuité. Le gouvernement qui n'a pas manifesté volonté populaire là. Donc, c'est peut-être ça qu'on dit. Faut nous arriver là, parce que c'est avec ça et ça seulement que nous arrivons à mettre le peuple là dans une nouvelle organisation. Il y a un protocole d'entente, certes. Est-ce qu'il y a une possibilité pour le protocole ça être capable d'amender? Sénateur Patrice Dumont, bon, côté Paradis, l'appuyer jusqu'à 100% des organisation dans société civile la parti politique autant mais une façon pour arriver joindre une solution à crise plusieurs dimensions ça à travers un accord politique pour gérer transition sénateur qui dénonçait pile loin ça les caractères illégal démarche collègue li Joseph Lambert initié pour le David président provisoire pays sénateur le sacré sénat républicain Tadoué Pito gagner intérêt fait partie dans chercher joindre une solution pour arriver aboutir à un consensus large Jean Empile secteur souhaitait ça reportage Jean-Paul lundi gagne deux tendances bon tendance piqué devant moi me dit clairement bon tendance piqué devant c'est à tel moment dit livre le président juge Wendell Cook dit livre le président bon l'autre qui dit livre le président sont piqué devant Jovenel Moïse était à peine fait voile pour payer son chapeau. Yon semaine pat même passé, bataille pour palais national là, t'es déjà commencé. Ça, pas fait Patrice Dumont plaisir dit tout. Occuper fauteuil présidentiel là, yon objectif plusieurs personnalités publiques parmi yon sénateur Joseph Lambert fixé tête li. Huit sénateurs t'es même adopté yon résolution en favel. Yon zak illégal qui pa gen aucun effet, c'est ça et l'île ouest l'a souligné, li t'est opposé carré barré à l'idée ça. Article 116 Constitution dit que Sénat pas capable ni siéger ni prendre résolution s'il pas gagné majorité de ses membres. Littéralement, une résolution ça que 8 sénateurs d'accord signé, il est nul, de nul effet. Malgré tout, animal politique là persisté dans des matchs. Il voulait franchir porte-palais national comme chef l'État. Il multiplier rencontre sur rencontre. Pour Patrice Dumont, collègue Li Joseph Lambert a agi pour tête pâle pour le tenter satisfaire ambition. Jusqu'à présent, il le fait à son compte. Il le fait à son compte. La preuve, c'est que je n'ai d'informations concernant les rencontres de sénateur Lambert que celles qui sont disponibles sur les réseaux sociaux. Sénat doit faire preuve d'élégance.
participer dans la concertation, c'est une décision sagesse là. Il faut concerter. C'est cette concertation à laquelle le Sénat de la République doit s'associer, je dis bien doit s'associer, et non pas pour le venir en piquer des vents, même mettre un tel comme président, c'est à la fois illégal et totalement inélégant. Patrice Dumont, corré des marches qui visait joindre un consensus largement large. Toute force vive pays a déjà embarqué. Bon, l'autre démarche qui voulait rassembler Force Vivio, démarche ça a dit, c'est en dedans Force Vivio, il y a pris responsable. C'est à travers partis politiques et organisations de la société civile, droits humains, etc. Pour nous, Ariel Fell, moi-même, en tout cas, c'est en tant que sénateur, en tant que citoyen, c'est dans la logique ça que moi installé. Y a un premier pas déjà franchi, mais discussion y a fond campé. Parlementaire regrette ça. L'imande acteur, pressé, retourner bon tab discussion. 150 organisations réunies l'autre jour dans Montana. Deuxième jour, gagné 2-3 coublions qui entraient, ils ont fait bruit et puis ce travail là pas fini. Cela doit être repris. Ça sont moustiques qui piquent. Ou. Ça pas empêcher aucun monde faire travail li. Donc, faut nous faire travail. Nous avons gagné quelques difficultés, mais faut surmonter pour que société vraiment fait une proposition à la nation. Joie passée, opposition à société civile là, pour qu'on joigne accord politique ça, qui ça doit servir comme proposition pour être pays à la crise politique malouk li trouvé là et puis gérer transition. Tant pas capable yon l'ennemi pour acteur yo, c'est ça Patrice Dumont croit, li exhorter haïtien pour pas plier en bas volonté communauté internationale là. Bien sûr, d'accord que la printemps. Mais qui bon bagaille qui fait dans le monde pour le printemps? Bon bagaille qui dit que blanc prend devant nous. Mais nous pas dans course avec blanc. Nous pas dans course avec blanc. Le corps groupe, mais moi crois yo senti que faut qu'il respecte décision peuple haïtien. Moi crois que yo senti li et de toutes les manières il faut arriver à ce moment où l'état haïtien soit respecté comme un état. Sénateur qui t'a participé dans l'émission invité du midi estimé c'est une honte. Si pas encore groupe bay moun ki kembe pouvoir après la mort Jovenel Moïse. Patrice Dumont en faveur yon exécutif des têtes qui donc yon président ak yon premier ministre. Li rappelé premier ministre Ariel Henry la bien pou l'tchou la kol nan tête pouvoir parce que nan pas trop longtemps société a bien pou prononcer. Jean-Paul Lundi, Caraïbe FM. Jean-Pierre Jean-Paul lundi qui t'a présenté un reportage ça et n'a retourné hein Pierre Renel sous dossier ça qui gagnait pour avec oui avec question fièvre cochon nous pral parler avec ministre agriculture là un agronome et oui, avec un agronome Charlot Bridi, qui est nouveau ministre de l'Agriculture. Mais le temps, nous joignons, on a appelé tout à l'heure, on a appelé gagner pour nous parler avec Marie-Denise Claude, qui lui-même, c'est secrétaire général à Parti politique Unité. Marie-Denise Claude, qui a gagné pour réagir sous déclaration Stanley Lucas, un proche, un consultant pour pouvoir tête Caléa, qui était cité plusieurs noms de personnalités, la police a arrêté ou bien cherché, qui a gagné le lien avec Unité. Et il était même allé plus loin pour dire c'est Unité qui est tatoué président République là à travers personnalité ça y est. Tout à l'heure, n'a bien pour nous parler avec Marie-Denise Claude, mais nous pral gain avec nous nouveau ministre agriculture là agronome Charlot Bridi. Oui, il est déjà avec nous en ligne, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour, bonjour Caraïbe, bonjour Pierre Renel, bonjour Dessel, bonjour tout le monde, bonjour population haïtienne là. Donc en situation qui à l'armée et le verrio par rapport à ça qui est arrivé déjà en 1978 côté n'était perdu en pile dans cochonouyo et voilà gagné en maladie qui attaquait cochonyo en République dominicaine qui menaçait cochon panouyo en Haïti au niveau de Haïti qui information nous gagnons qui disposition qu'a prend par rapport à menace ça monsieur le ministre. Encore une fois n'a dit tout éleveurio bonjour spécialement. Un grand bonjour pour Radio Caraïbe qui est toujours, tout le monde qui travaille dans Radio Caraïbe, qui est toujours à la balle, qui toujours a supporté le secteur agricole, a supporté tout le secteur en général, particulièrement, on a dit, secteur agriculture là. Moi, je mettais chapeau, bien bas, et je coupais devant nous. Et le ministère de l'Agriculture, déjà informé de situation cochon cap mouri dans la République dominicaine. Nous-mêmes,
ministère de l'agriculture en Haïti, nous pas voulu faire pièce bagaille dans tête chaud, nous pas voulu prendre pièce mesure, pièce et courir faire pièce prendre pièce mesure dans tête chaud. C'est ça que fait depuis là nous t'étendons information t'a bail sur réseaux sociaux, nous t'a tout premier étape nous t'ai fait, premier ça nous t'ai cherché fait, c'était renseigner sur ça qui passe en République dominicaine là. Et c'est ainsi que nous avons fait contact au niveau international, nous avons fait contact et du côté, parce que nos institutions même qui réglaient cette histoire de santé et santé animale, c'est OIE. Donc nous avons parlé avec le directoire OIE et ils ont été informés, non. Après, ils ont dit non, en principe, parce que toute bagaille qu'on a fait, en principe, faut que ils ont notifié, non seulement ils ont même fait notifier ça, mais faut la République dominicaine tout notifier et notifier tout le monde, c'est-à-dire que le bon site, puis placer toute bagaille sur ce site-là, et pour OIE, pour capable informer et que ils ont une maladie à la caillou. Donc c'était première étape, première démarche que nous avons fait, c'était justifier, planifier ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous chita avec toute équipe technique, non, et au niveau du ministère de l'Agriculture, et parce que on équipe même qui est dans le ministère qui est occupé de santé bête, et santé production bête, et en particulier, nous chita avec équipe, non, et nous avons déjà constitué un petit noyau pour. Tout d'abord, non, documenté, argumenté, non, de problématiques là. Ainsi, c'est ainsi que, une fois que nous finissons documenté, non, nous dire que nous avons renseigné le gouvernement, disons le premier ministre. Le premier ministre là, nous avons communication en principe qui est faite parce que, c'est pas, non, le ministère de l'Agriculture pas qu'à courir, et c'est vrai, il concerne les secteurs, mais il faut que son problématique qui concernait tout gouvernement, en principe, parce que il y a, ça concerne l'agriculture, il concerne tout ministère, un certain nombre de ministères, notamment l'agriculture, mais il concerne d'autres institutions, la cour, commerce, finance, intérieur, justice et santé publique. Donc, c'est ça que fait, messieurs, dames, n'a préparé documentation, non, pour soumettre à gouvernement et pour notre travail, notre travail sur ça, pour capable dégager en task force qui pourra le concerner, même si le ministère de l'Agriculture pourra jouer un rôle là et pourra jouer un rôle primordial, mais c'est un dossier qui pour conduit non seulement par le ministère de l'Agriculture, mais éleveurs et toute notre institution qui est concernée. Et nous t'as dit qu'il y a urgence, monsieur le ministre, par rapport à danger, menace à représenter pour éleveurs, particulièrement ça qui trouvé dans la zone frontière. Là, on dit que nous travaillons sous documentation et pendant tout ça, nous sommes très paniqués. Qui message on va placer à éleveurs? Mais ministre, justement, non pas son décision pour prendre yo de prendre à tête frette. Et il y a un certain nombre de. Alors, le ministère de l'Agriculture fonctionnait à partir de ça dans les directions départementales. Mais on gagnait toutes les directions départementales qui concernaient qui sont frontières là, en particulier le nord-est, là, et le centre, le sud-est, et le nord-est. Toutes les directions départementales qui concernent, qui sont frontières, qui ont frontières avec la République dominicaine, normalement, par exemple, circuler, non, je dis à même, non, tout d'abord, non, on a pas le contacter par moyen qui est plus possible, et on circuler, doit sortir ou alerter. Yo. Ça ne veut pas dire que c'est même seulement tout pays à concerner, mais en premier, pour travailler avec la direction départementale, le service quarantaine ministère, pour tout d'abord, non, gain contrôle. Où est-ce que nous sommes capables, en principe, gain contrôle et frontières là, avec toutes
matériel et viande, etc., qui est capable de traverser, et bêtes vivantes, tout, qui est capable de traverser les frontières. Donc, on est son pays qui est très vulnérable, donc, contrôle, bêtes, déplacement, bêtes, yo, et il est capable de faire rapidement, et ou pas, non, pas, non, clair, bah, quoi, son bail, non, si on couche, on a sauté de tel endroit à tel endroit, non, pas cap, ou bien on matériel, pas, doit forcément, c'est cochon, et puis son matériel, et bien, doit son, son matériel qui est en contaminé, qui traverse les frontières, non, capable de prendre. C'est pour cette raison que, n'a pris une décision pour, et, ouais, comment, on pourrait gérer situation, ça, à partir de quatre, de frontières qui sont, qui, de pays, de département frontalier, et l'autre, tout autre département. C'est une décision, ça. Donc, est-ce que déjà nous rentrons en contact avec la République dominicaine, avec l'autorité pour au moins avoir une idée de ça qui gagne sur le territoire? Oui, c'est ça, moi, j'ai fait que là, on a commencé à. Dans la première démarche, c'était fait contact avec le directoire OEA qui contrôlait toute histoire et PPA et maladie sous Betio. Non, fait contact, yo t'y ban non première, des premières informations, et après, non parler avec, responsable santé bête au niveau de la République dominicaine, qui t'est vine informé non par la suite, yo confirmé. Maintenant qu'on y a, ministère des Affaires étrangères, non, t'as supposé contacter parce que paraît-il que, yo dit non, yo t'y voué en notification, et à travers ministère et des affaires sociales. Donc, je veux dire, c'est exactement démarche ça on a fait pour nous capables et confirmer. Bon, en principe, tout bas est confirmé, mais pour nous capables et bah, prendre toutes mesures qui concernent en conséquence. Nice, tu as gagné un problème qui t'est posé surtout dans la région sud-là, et pour bête en particulier qui t'a mouru. Ça, problème ça a été lié, qui soit qu'à dissoudre, qui ça qui fait pour essayer de résoudre lui. Effectivement, nous informés, et donc c'est là le problème là un petit peu compliqué pendant l'appréhension et informé pour nous capables de joindre l'information et disons pour nous capables de prendre décision sous et problématique ça et puis mais PPA et presque non pas confirmé que PPA rentré sous territoire non mais nous devons prendre des décisions pour PPA donc comme ça équipe qui concerne, institution qui concerne au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est sous tout dossier ça, ouais, sinon capable de travailler là, pour des mesures prendre, ça qui concerne PPA et ça qui concerne maladie bœuf qui t'a commencé et initié dans le département sud de la journée de la guerre. Voilà. Eh bien, merci un peu, monsieur le ministre. Oui. Allô? Oui, allô, je suis oui, là. Oui, non, on a dit merci, mais décision pour qu'on ait qui ça n'a fait, pour est-ce qu'on a interdit produits qui ont rapport avec viande cochon entrer sur le territoire, l'a sorti jeudi. Et qu'on ait guerrier, ça a son décision qui doit prendre dans le plus haut niveau gouvernement pays. Okay. Et parce que j'aime te dire là, son décision qui doit. Et qui concernait plusieurs autres ministères, en particulier Affaires étrangères, Commerce, Finances, Intérieur, Justice et Santé publique, et même l'autre institution encore. Donc, ça veut dire que nous avons fait un diagnostic et problématique là, nous avons préparé une documentation déjà préparée pour le transmettre par EP au niveau de la primature, pour Chita, avec. Et tout le monde qui concerne, toute institution concernée, pour nous prendre une décision qui conforme à la loi et sans et qui pas alerter personne, qui pas pour tout le monde, ça n'a pas des populations, c'est que tout le monde pose et décision étatique là, il doit venir jeudi. Voilà. Merci un peu, le ministre Charlot.
Prédit, ingénieur agronome qui était en direct avec nous pour dernière information concernant présence maladie, alors concernant maladie peste porcine ou bien maladie fièvre cochon qui gagne sur le territoire dominicain, compté déjà gagné de l'autre pays qui déjà interdit produits qui fait à cochon rentrer sur le territoire. Mais bon, ici, Naptan probablement pas dans journée. Pour qu'on ait qui décision l'État haïtien prend par rapport à menace qui pendait sous tête cochon noyau pas boycite. Et en direct avec nous, madame Marie-Denise Claude, secrétaire générale parti Unité, pour une réaction par rapport à intervention cette année Lucas dernièrement qui était longé droite sous parti Unité dans assassinat président républicain à travers diverses personnalités qui nous ont cité dans dossier ça. Qui c'est à des proches patients. Madame Claude, bonjour, bienvenue sur Caraïbe FM. Bonjour, c'est avec plaisir que moi en vais parler avec Mathéen. Ma salue toutes qui a animé l'émission ça et puis salue toute population haïtienne. C'est vrai, nous prenons temps pour nous réagir par rapport à